Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un taboulé à la truite fumée. Alors pour faire ça, on va prendre de la semoule de couscous qu'on va verser là, une demi-tasse, ensuite une tasse d'eau chaude, qu'on verse à l'intérieur, ensuite un peu de sel. On mélange un coup. On couvre et on laisse gonfler pendant 5 minutes. On ne touche plus. Ensuite, on va préparer nos légumes. Alors, on va préparer d'abord les tomates cherry qu'on a bien sûr nettoyées au préalable. Voilà, on va les découper en deux. Bien sûr, pas oublier de nettoyer vos légumes, toujours. Toujours bien laver ses légumes avant. Se laver les mains, évidemment. Voilà, on laisse de côté. Ensuite, on va s'occuper du concombre. Alors, on va l'éplucher. Voilà. Enlever le cul. En deux. On va vider les pépins parce que c'est pas très digeste. Voilà. Ensuite, on va faire des petits cubes. Avec les tomates. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la vinaigrette. Alors, pour la vinaigrette, on va prendre un petit peu de moutarde. Vraiment pas trop, hein. Une demi-cuillère, ça suffit. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Un peu de vinaigre de framboise. Alors ça, la vinaigrette, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est une idée de vinaigrette, mais si vous avez de la sauce à salade déjà dans le frigo ou une autre vinaigrette, c'est complètement égal, hein. Voilà, moi je vais rajouter un petit peu de confiture de framboise pour avoir un petit goût un peu plus sucré. Voilà, on va assaisonner un coup avec un peu de sel. Moi j'utilise du sel au piment d'Espelette. Après, chacun selon ses goûts. Un petit peu de poivre. Parfait, un peu plus de sel. Voilà. Voilà, tip top. Ensuite, on va s'occuper de la pomme qu'on va couper en quatre. Voilà, on va l'épépiner. Après, c'est selon les goûts de chacun. Hein. Vous pouvez varier, bien sûr, les légumes. Vous pouvez varier un peu tout ce que vous voulez. Hein. Alors, les pommes, on va les mélanger directement dans la vinaigrette pour pas qu'elles noircissent.
Donc, mélanger un petit peu, voilà. Comme ça, elles sont bien imbibées de vinaigre. Tip top. Maintenant, on va couper notre truite fumée. Toujours un peu en cube. Alors la truite fumée, c'est comme pour les légumes, chacun fait à sa sauce. Hein. Si vous préférez mettre d'autres poissons, ou alors s'il vous reste par exemple du poulet de la veille ou comme ça dans le frigo, ça peut très bien remplacer. Hein. Ça c'est selon les goûts de chacun. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop poissons. Vous pouvez sans autre mettre de la viande. Ou pour les végétariens, que légumes, bien sûr. Voilà. Alors, on va contrôler notre taboulé, notre semoule. On prend une fourchette, on va l'égrainer un peu. C'est bon, elle est déjà cuite. C'est parfait. Alors, on va pouvoir mélanger déjà la truite. Légumes. On va prendre une râpe, n'importe quelle râpe. On va râper un petit peu des brocolis. J'ai pris 3 tasses, je vais les mettre les 3 quand même. Voilà, on va mettre notre vinaigrette avec nos pommes. Mélanger un bon coup. Un peu d'herbe hachée. Là, vu la saison, j'en ai pas de fraîche, donc j'utilise un peu des herbes congelées que je râpe. Alors, les herbes aromatiques, ça c'est... c'est celle que vous voulez, à volonté, il n'y a pas de souci. Voilà. On mélange un dernier coup. Et voilà. On goûte. Tip top merveilleux. On met tout ça dans nos bacs. Ce sera certainement pas tout. Voilà. On garde ça pour qu'on rentre ton ventre. Top. Le couvercle. Hop. Si vous avez une petite glacière, c'est top. Mettez dedans une petite glacière. Une serviette. Une fourchette. Je me suis fait un peu des filets d'orange pour le dessert. Tac. On ferme. On met au frigo. Et voilà, c'est parti pour le boulot. Bon appétit !